Forcément, tous les yeux sont rivés sur lui. Il est dans une forme étincelante. Rappelons cette place de leader au classement des buteurs en championnat. Bonjour à tous, quel plaisir d'être assis dans les tribunes du merveilleux Old Trafford à Manchester pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. On retrouve tout de suite le championnat anglais et la Première Ligue. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en prévision. Je suis très heureux de partager ce match avec vous, parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Côté Manchester United, voici le 11 qui débute. 4-5-1 offensif, ou aussi le 4-2-3-1 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Et voilà la compo officielle de cette équipe. En 5-3-2 ou en 3-5-2, ça dépend du point de vue et aussi surtout des intentions et des désirs de l'équipe. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Serge Aurier. Et ce ballon est récupéré. Oui, le long ballon. Et non, finalement, ça n'ira pas plus. Manchester United qui aborde ce match avec une stat impressionnante, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en championnat. Si l'équipe locale est aussi performante offensivement... Oh, derrière, le sauvetage! C'est bien parti pour ce corner. Bonne prise de balle sur cette action. Fred. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Trop moyen ce centre dévié. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. Fred. Casemiro reçoit le ballon. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Ballon intercepté. Finalement, le centre ne donne rien. Et duel remporté, il va pouvoir relancer. Freuler. Jesse Lingard avec le ballon. Tennis. Ouais, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Et ballon dans la profondeur. Ouais, il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Oh,
Wilder. Serge Aurier. Avec Bruno Fernandes. Bellingham. Et ça rejoue sur Bruno Fernandes. Ouais, pas mal, il y avait une idée, mais ça passe au-dessus. Intercepté ce ballon de Casemiro. Tennis. L'action se poursuit dans le camp adverse. Et la frappe part bien. Moderea, le sauvetage. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Et on nous signale un but au City of Manchester Stadium. Oui, c'est le premier but pour Wolverhampton. Un but marqué par Wang Yi-Chan, même si une déviation l'a bien aidé. Ça fait donc un but partout après 38 minutes de jeu dans ce match. Ouais, c'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Freuler. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Basham. Avec Bruno Fernandes. Casemiro. Et ça joue sur Fred. Nous jouerons donc une minute de temps additionnel. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Ah, le corner bien tiré. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. La deuxième période ici, et Manchester United a toujours un but d'avance. Et ça joue avec Bruno Fernandes. Excellent timing sur cette interception. À suivre prochainement l'événement, ce sera la finale de la FA Cup, Manchester United à Manchester City. Évidemment, pour ce match, on a deux adversaires très costauds. Cette finale d'Emirates FA Cup, c'est l'un des rendez-vous les plus importants de la saison. Regardez, regardez ! Et ce ballon est dégagé, et heureusement, parce qu'il y avait le feu. Lingard. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Ouais, c'est un ballon qui est bien donné. Le centre dans la surface, il y a du monde. La frappe est bien contrée. Combinaison, ça joue en deux temps. Le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Et attention, on me signale un but au City of Manchester Stadium. Et oui, avec le deuxième but pour Manchester City. Un but de Kevin De Bruyne. Son deuxième but dans cette partie. Et c'est après une déviation de la défense. On en est donc à 2-1. Alors que la rencontre a débuté il y a 59 minutes. Ok, merci pour l'info.
Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Et voilà un ballon en pleine surface de réparation. Et vous le savez sans doute, hein, ce rendez-vous de Première Ligue à suivre bien sûr sur nos antennes. Nottingham Forest affrontera Newcastle. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Et le contre est possible maintenant. Et c'est récupéré ça. L'action se poursuit, c'est contré sans problème. Oh, le tir! Ça y est! C'est un but qui vient conforter Manchester United. L'écart se creuse! Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Tennis. Et c'est Casemiro qui récupère. Bruno Fernandes. Remo Freuler. Eh oui, bien joué, la bonne passe. Attention, méfiance avec ce centre. Eh non, c'est rendu ça. L'attaque se poursuit, balle au pied. Un centre dans la surface. Eh non, finalement, ça ne mène à rien. Et on nous signale un but au City of Manchester Stadium. Et oui, c'est le troisième but en faveur de Manchester City. Un but qui est l'œuvre de Riyad Mahrez. Pas le plus difficile à mettre. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1. Alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Et voilà, donc c'est bien noté. Merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et ce ballon est finalement intercepté. Et c'est donné en profondeur. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus 3. On la revoit, cette passe à la limite d'enjeu qui vient offrir une excellente situation de but. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. La joie pour Manchester United, ça se termine par un succès, donc pour les Red Devils. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de remporter. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Odéria, le sauvetage!
le tir. Ça y est, c'est un but qui vient conforter Manchester United. L'écart se creuse. Qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus